tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Angelica, on se retrouve sur Maximo. Maximo, génération PS2, le concept de let's play, blablabla. Alors, on m'avait confié quelques techniques. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier. Ouais, attends, on fait attention si le coffre est piégé ou pas. Je tiens à remercier l'abonné, je n'ai plus le nom en tête, mais je l'écrirai. Sur la vidéo là, comme vous pouvez le voir là. Je tiens à le remercier parce qu'il m'a donné pas mal de petits conseils. Alors, le conseil numéro 1, c'est d'attaquer ce genre de squelette par derrière, simplement pour éviter de me prendre des coups bizarres. Et le conseil numéro 2, c'est d'attaquer les poseurs de bombes. Oula, on va remonter. Oh non, j'ai cru qu'il y avait une potion, je sais pas quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, merci. Et le conseil numéro 2, c'était d'attaquer les voleurs de bombes en étant à terre. Enfin, en se s'agenouillant. Donc, lui, on va voir si on va pouvoir. Aïe. Voilà, du coup, ça c'est bien. J'ai trouvé la technique. Merci à l'abonné qui m'a aidé. J'imagine que t'as déjà fait le jeu entier. En tout cas, je te remercie. J'entends des bruits bizarres. Il n'y a pas le poseur des bombes. Hey, on va se casser. Cassez-vous. Je sais pas où on va. Là, il y a un autre zombie normalement. Ouais, on va éviter de tomber. Ouais, la vache, c'est quoi ce glissade con? Pas de coffre. Il y a de la vie là-bas. Bon, on voit qu'on l'a déjà fait le niveau de la pirate. Il me semble qu'on l'avait fait au dernier épisode. Ouh! Bitches! Je regarde si je suis bien calé. Tan tan. Oh, c'est trop bien. Merci à l'abonné, franchement, ça fait plaisir. J'aurais jamais. Enfin, je pense pas avoir. Je sais pas, j'aurais pas trouvé. Ah, la pédale! J'ai pas lu le niveau. Normalement, on va le voir dès le début. Saut sur banquise. Putain, je croyais que c'était un truc de banque. La vache. Je regarde ce qui m'a. Enfin, d'ailleurs, on peut refaire l'inventaire des atouts, si je peux le dire. D'ailleurs, je crois que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué. J'ai pas fait de l'esprit. Enfin, j'ai pas joué sur cette série. Alors, baiser de Mamba Mary, baiser de Lénor. Ouais, en fait, ça sert à rien pour l'instant. Vous avez abandonné les trésors de la sorcière du cimetière. Mais c'est. Ouais. Ça aurait été des bombes, ok, mais là. C'est vrai qu'elles étaient pas très belles. Mais j'ai quand même un petit peu son baiser. Coup du chaos, ouais, si tu veux. Coup puissant, coup boomerang. Ah. Lancer puissant, attaque furieuse, en rond, ouais, on l'est pas très bien. Route de choc, plus large. Ah, c'est pas grand chose en fait. D'ailleurs, j'ai un truc juste derrière, ça doit être une armure. Bouclier. Ah, non, parce qu'il me reste. Ah, d'ailleurs, on m'avait expliqué. Oh merde. Il me semble qu'on m'avait expliqué pour les lucioles. Comme quoi je devais en avoir pas mal pour derrière un truc derrière moi. Ah, il m'a fait flipper. Je devais avoir pas mal de lucioles pour respawn, je sais plus quoi. Enfin, il faudra que je revoie le commentaire parce que c'est vrai que ça date. Mais vraiment, merci. Même si c'est que des hypothèses, franchement ça marche. Alors, des fois c'est vrai je me sers pas assez de ma tête. Ça va, t'es pas trop tombé. Dégage. Oh là là. Non, c'est bon. C'est pas un coffre piégé, j'espère. Ouais, oh, c'était de la merde quand même. Peaches, the moon me. Oh, il m'a rien donné.
Merde, faut appuyer deux fois. C'est vrai. Oh, yeah. J'ai une pièce de la mort, un truc comme ça. Alors ça aussi, faut que je renseigne, parce que je sais pas exactement. Enfin, il me semble que c'est pour respawn si jamais on fait un game over, mais la dernière fois, j'avais une pièce comme ça. Ouais, c'est pour respawn, à condition qu'on ait... Ouh, j'ai gagné une vie. Condition qu'on ait des lucioles, à mon avis. Enfin, des lucioles, des trucs bleus, là, je sais plus comment ça... Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Mais je suis con. Putain, je sais pas pourquoi, j'ai voulu sauter, là, je me suis mis... Je suis trop confiant des fois. Alors faut faire attention parce que ça peut coûter très cher. Oh, j'ai sauté 4 fois. Bon, on va aller vite fait là parce que c'est vrai que je perds du temps inutilement. En plus ça glisse pas, oui. Bon. Putain. On se calme. Hop, on met la caméra. En plus c'est rien de compliqué, c'est juste moi qui me complique la vie. Ah, c'est là-bas. Avec le petit Papa Noël. J'imagine qu'il y aura un autre zombie quelque part. Vous pouvez remarquer que mon nombre de lucioles s'est réinitialisé. Depuis que j'ai chopé la pièce de la mort. Ah, intéressant. Par contre, toi, tu crées. Oh merde, je croyais que ça allait faire. J'ai pas le truc pour la capacité puissante. On va y aller tranquillou. Moment de plateforme un peu chiant. Tant que ça coule pas. Je suis concentré. D'ailleurs, je tiens à préciser que pour ma voix, si elle commence à grésiller, en fait, je peux le voir que au montage si elle grésille ou pas la voix. Si je la vois. Putain, la salope! Je crois que ça m'a jamais fait mal ce genre de truc. Alors je regarde. Oh merde. Allez. Ah what the fuck. Ah merde, mais ah, c'est trop compliqué. Ok. Oh la vache, bitches en culasse. Ah ça. Non, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors là, je suis perdu. Non, je suis perdu sans blague. Sans blague. Sans deuil. What? On va faire demi-tour. On sait jamais. Putain, j'aurais dû y aller. Bon, je sais que je vais devoir y aller quand l'autre elle va remonter. Voilà, celle-là. J'ai pas compris, je suis venu ici juste pour une clé, j'ai l'impression. En fait, le vrai chemin il était par les hauteurs, j'ai pas fait gaffe en fait. Ouh, j'ai cru que ça allait redescendre. De pas s'en mêler les pinceaux. Si je fais tout chemin pour une clé, franchement, je me sentirais un peu con. Mais bon, je pense que je vais me sentir con, hein, c'est obligé. C'est dommage, j'ai pas vu le chemin qui était en haut. On perd du temps, 9 minutes. Oui, je disais... je sais pas pourquoi je me suis coupé dans la phrase, mais je disais... si ma voix grésille au montage, parce qu'il n'y a qu'au montage que je peux le voir. Enfin, si ma voix sature plutôt. Ne vous inquiétez pas, je couperai le son de la webcam, enfin, sortant de la webcam du micro, mais... Ouais, je vérifie. J'ai enregistré avec aussi Audacity. Ah d'accord. Non mais franchement c'était compliqué à voir ça, sérieux. Peaches. Oh shit. Bon je peux le tuer. Oh. Ça marche. Oh la technique que mon abonné m'avait proposée. Je te fais une grosse dédicace d'ailleurs, je sais que t'aimes bien cette série, bah moi je l'aime autant que toi, et ça fait plaisir. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à une chose, si je chope les pièces de la mort par hasard, c'est peut-être parce que j'ai atteint un nombre de lucioles. Ah, ça peut. J'ai atteint par exemple 50 lucioles, et c'est peut-être pour ça. Bitches,
Bitches, bitches. La tête nue du Yeti. Je sais pas si vous avez pu en remarquer, hein. Parce que comme j'ai eu un épisode fail dans le tas. Yeah. Allez, c'est parti. Putain, ça va, il est pas très compliqué, c'est juste que je prends mon temps. Putain, j'ai l'impression que l'épée, elle est bizarre. On va éviter de crever pour des lucioles, quand même. Parce que c'est vrai que... voilà, quoi. Ouf, bâtard. Je commence à 8h. Ouais. Les ailes du soleil, hein. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé, l'autre. Il était... je crois que j'ai coupé les jambes. Ça va, c'est classe. Oh là... sérieux. C'est sûr, je vais tomber sur ce niveau en plus. Je sais, je sais. Allez. On attend bien. Bitches. Et aucun fail pour l'instant, les amis. À part le fail. Ouais, je me suis juste un peu perdu en chemin, c'est tout. Ah, j'ai plus d'épée super stylée. C'est pas grave. Je veux plus de phase de plateforme de merde, mais cool. Je suis bien là, je suis bien. Le Yeti, je le sens bien, le Yeti. Je le sentais bien. On va reculer. Alors, j'ai une technique particulière contre le Yeti pour ceux qui n'ont pas vu mon ancien épisode. On fonce. Il respawn parce qu'à chaque fois il despawn. Et on le tape. Voilà. C'est la meilleure technique que j'ai pu trouver et ça marche. À part s'il y en a deux ou trois là, c'est assez compliqué. Hop, je me reviens bien. Je sais pas, j'ai un peu mal. Yeah, j'ai récupéré. C'est nickel. Je suis good. J'ai combien de pièces? 208 pièces. Oh, pauvre Yeti. Limite les plus faciles à faire que Mystère. Alors la dernière fois que j'ai fait un Mystère, je m'en rappelle bien. Je m'étais fait pigeonner un truc de ouf. 150. Ah non, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que si j'ai pas 100 pièces d'or après, c'est un peu galère. Alors j'ai deux chemins possibles. Un piégé du coup. Oh, qu'est-ce que ça va se passer? D'ailleurs j'ai l'armure en or, faut que je profite des 17 secondes d'invincibilité. Ah, ça c'est une plante à la con qui gèle. Bon bah je peux plus en profiter, hein. N'empêche, je suis classe. Oh putain, il est trop classe mon perso. Avec l'épée de glace et tout. Oh, j'adore. Ce sera sûrement une miniature de la vidéo. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos, je préfère mettre les images du gameplay pour vous montrer à quoi vous pouvez vous attendre. Jack, j'aime bien la miniature que j'ai trouvée sur Jack. À la base, c'était Chris qui m'avait fait. Chris de la TMWK Clan, qui m'avait fait une miniature sur Jack. Après, finalement, enfin, en cherchant des images sur Jack pour mes fins de vidéo, je suis tombé sur cette miniature et franchement, elle m'a plu. Et du coup, bah, je m'en sers pour tout le reste. Ouf, faut que je fasse gaffe un peu là. Pas trop de prudence, ok. Là, il y a quelqu'un. Ouais, là, putain, j'ai plus beaucoup de boucliers d'ailleurs. Je sais pas si c'était le vrai chemin ou c'est juste pour un petit bonus. Oh, il y a une clé, mais à mon avis, c'est... ça pue. Oh, ça pue, putain. J'imagine que ça glisse. En même temps, la glace, ça glisse. Hein. Faut pas se foutre de ma gueule. Oh my god, putain, j'ai de la chance, allez, non, ah, ok, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi, pourquoi il y a un chemin comme ça, bref, ouais, d'accord, ouais, on va remonter 2 secondes, de toute manière, je prends mon temps, normalement, la vidéo sort mercredi, donc ça devrait vous faire plaisir, une petite vidéo tranquille, ah, qu'est-ce que t'as respawn?
vivant, mon Dieu. Oh yeah! J'avais pas fait gaffe en plus à ça. Du coup, j'ai combien de pièces d'or? Allez, faut faire foudre. Bon, c'est nickel. Alors, je regarde le chemin. C'est pas par là. Oh là là, je suis perdu. C'est bon, c'est par là. Normalement, c'est par là. It's good. J'ai pas intérêt à tomber maintenant que j'ai deux ou trois clés sur moi. Deux clés. De toute manière, je pourrais le voir au pire. J'ai eu peur que ça descendait. Allez, un nouveau checkpoint. I like l'univers, l'univers de ce jeu. J'adore. Il y a un trou. Là-bas, j'avais pas vu. Ta gueule. J'espère que pour le boss de ce monde, ça sera un espèce de Yeti géant ou. Ah, ça serait nickel, Le petit diamant, il va gentiment se faire foutre, pas celui-là, l'autre. Qu'est-ce que c'est? Chargement d'épée. Non, on s'en tape. Hein. L'épée en glace, ça peut être bien, comme ça peut être saoulant. Oh, il m'avait flippé, lui. D'accord. Ah, n'empêche, c'est assez compliqué avec la neige de voir les chemins. Donc ça va, nickel, 7 minutes. Je pense qu'on a bientôt fini le niveau. Aucun fail. Oh, c'est un truc de ouf. Il me semble que c'est le seul épisode où... Ah, merde. Attention, non, je regarde, c'est pour ça. Un petit raccourci. Coucou toi. Oh, je gère tellement cet épisode, ça me fait plaisir. J'espère que... Oh, c'est fini. Yeah. Et bah les amis, ce sera un épisode sans fail. Ça m'arrive pas tous les jours. Oula, ça pue ça. Wait. Attends, on va foncer sur le truc au cas où il y a des ennemis qui spawnent juste devant. C'est qui est le cas. Cherche pas. Je te nique. Ah, deuxième ennemi. Oh, c'est vraiment d'abdos puisqu'ils m'ont mis. Hein. Oh, c'est vraiment d'abdos. Je m'attendais à mieux. Aïe. J'ai dit je m'attendais à mieux. Ils vont me mettre un Yeti. Oh, c'était tellement facile. On va juste récupérer le coffre hein, que j'ai vu en arrière. Yeah, oh, j'ai tellement kiffé cet épisode. Pour finir avec une épée en feu, oh, c'était beau. I like. Toi, tu crèves. Non, tu crèves. Ah, il y a une clé, putain. Alors, on va faire la technique que mon cher abonné m'a donné. Non, mais viens. Il a rien compris. Oh, j'adore cette technique. J'adore, merci, franchement merci à l'abonné qui m'a donné ses astuces parce que c'est vrai que ça m'évite de perdre la vie inutilement. On va y aller tranquille. Essaye. Oh là là, c'était magnifique cet épisode. Moi je vous parie un 80% de fini. Alors je vois qu'il reste quelques pièces mais je m'en fous. J'ai fini. Bitch! Oh là là. Là, il maîtrise niveau 80. Oh! Et je suis bientôt à la moitié du jeu. Je sais pas à combien d'épisodes. Pardon, j'ai un truc. Je sais pas à combien d'épisodes j'en suis. Je suis pas fait gaffe en fait, pour tout vous dire, mais. Le boss. Au prochain épisode les amis. Le boss la semaine prochaine. Oh yeah. Par contre faut sauvegarder.
Est-ce que je vais pouvoir maintenir le niveau de failisme à 0% ou pas? On va voir. Je me sens que c'est juste à ma gauche. C'est là. Oh yeah, les amis, j'ai réussi à ne faire aucun fail en une vidéo. C'est une première. Peut-être que je vais continuer comme ça, peut-être que je vais pas continuer comme ça. Allez. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode de Matsimo, Génération PS2. Et sur ce, je vous dis juste pour des prochaines vidéos. Allez, bye. Merci.